Ma chérie, tu as déjà lavé les dessous d'un patron? Bien sûr. Qui vous a demandé de faire? Qui de... Mm-hmm. Je lui ai dit, attends, si. On dirait que tu t'es trompé, qu'il y a des choses dedans. Elle dit, mais tu es là pourquoi? Tu es là pour travailler, non? Faut me laver tout ça, tu vas quitter devant. Mais, ah, madame, mais... On te payait combien? 20 000 par mois. Aïe! Oh là là! Mais si lui, il est en train de travailler comme ça, là, moi, je ne peux pas me coucher. Donc, une fois comme ça, il m'a dit comme ça que, comme il ne va pas vite finir, je peux me coucher. Alors que tout le monde était déjà endormi. Et monsieur a commencé à me dire, attends, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme ça? Il dit, non, laisse-toi aller. Il dit, non, mais... Il a dit, non, mais madame va nous surprendre. C'est pas bien de faire ça. Il dit, non, mais madame dort. Elle s'est endormie. Tu sais que quand elle dort comme ça, là, et tout. Il dit, non, moi, je peux pas. Il a insisté. Jusqu'à ce que tu as fait. Non, j'ai pas fait. Tu as donné un peu quand même. Tu as donné un peu ou pas? Non, non, non. On l'applaudit quand même. Hein. Et puis, il y a d'autres choses même, en fait. Il y a eu des cours, je suis allée aussi, les fils à papa voulaient me tuer. Parce que souvent, quand leurs papas ne sont pas là comme ça, leurs parents ne sont pas là comme ça, ils viennent. Non, tu vois, tu sais, maman n'est pas là, papa n'est pas là, on peut se gérer. Je vais essayer de leur parler pour qu'on augmente ton salaire et tout. J'ai dit non, mais moi, je suis enfant de pauvre, je suis venue me chercher. Mm-hmm. Tu ne peux pas mettre ça, mélanger mon travail avec le président. Mm-hmm. En fait. Et depuis lors, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Je suis esthéticienne. C'est bien. Bravo. Vous avez deviné, on est dans Caillou dans Oreilles. Ah, nous sommes dans la révolte des nounous. Moi, je n'aime pas dire des servantes, donc je dis des nounous. Ma chérie, tu as déjà lavé les dessous d'un patron? Bien sûr. Et c'était dans le même coin où le monsieur voulait que moi. Et c'est sa femme, c'est ta femme qui vous a demandé de faire? Qui demande à ce que vous laviez les dessous de... Une fois comme ça, elle a fait sortir les habits sales. Et je devais les laver. Du coup, je découvre qu'il y avait les choses dedans, les trucs de menstrues dedans. Mm-hmm. Je lui ai dit, attends, si. On dirait que tu t'es trompé, qu'il y a des choses dedans. Elle dit, mais tu es là pour quoi? Tu es là pour travailler, non? Faut me laver tout ça, tu vas quitter devant. Mais, ah, madame, mais c'est pas comme ça. Elle dit, non. Faut laver, tu es là pour ça. Et puis, j'ai une grande cour. Il y a une grande cour aussi à arrière. Donc, en fait, la coupe qui était ici là-bas, chaque matin et chaque soir, je dois laver la terrasse. Et j'étais seule. Oui, j'étais seule. J'ai une grande cour, j'étais seule. Et quand. Et on te payait combien? 20 000 par mois. Aïe! Oh là là, ma chérie! Tu es devenue esthéticienne. Il faut travailler. Faut faire. Attends-moi ton maquillage.